Et salut à toutes et à toutes, c'est Kintaro, j'espère que vous allez bien. Attendez, juste que je vérifie un truc. Ouais, normalement ça devrait être bon. J'espère que vous tous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Marvel Spider-Man. Je sais pas ce que j'ai mes écouteurs qui déconnent, c'est un truc de malade. Je sais pas pourquoi ils déconnent comme ça. Attends, là il y a un truc là qu'on peut le récupérer là. Voilà, et je suis d'accord avec DJ qui disait putain, mais imagine un Superman comme ça. Ça pourrait être génial, un jeu Superman, tu te balades dans la ville en volant. Ça pourrait être cool, non? Ça pourrait être génial, hein, ça pourrait être même très intéressant. Bah écoutez, on se retrouve, oui, pour l'épisode 8, hein, si je ne me trompe pas. Ça avance très vite. Vous avez vu que dernier épisode, on avait quand même l'arrivée du symbiote. Et c'est ce que j'avais pensé quand j'avais vu les trailers du jeu, surtout quand on entendait Venom dire on va guérir le monde. Et on voyait Harry, je crois qu'on voyait Harry devant justement la cuve avec le symbiote. Est-ce que vous, ça vous fait pareil en disant mais. Hein? Normalement, c'est pas Eddie Brooke qui devrait être Venom? Eh ben, peut-être pas dans ce Spider-Man là, et en vrai, ça ajoute une origin story assez cool à Harry, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympatoche. Donc à voir, tout simplement. Allez, viens, on va voir ce que ce truc peut faire d'autre. Qu'est-ce que tu fais? De la science, mon gars. Je fais de la science. Alors, Spider-Man, tu l'as dit à MJ, mais pas à ton meilleur pote. Non, mais c'était pour te protéger. Je voulais te le dire, mais... Ouais, je comprends. Et le jeune que tu encadres, c'est lui, le deuxième? Il s'est passé plein de trucs pendant ton absence. Crois-moi, je le sais. J'y vais en douceur. Oups. Je vais faire du café, je sens que la nuit va être longue. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a fait des expériences. Où est le docteur Connors? Il a dû prendre un jour de congé? Non. Il ne prend jamais de congé. Bon, je vais y aller. Hein. Ouais. Ouais, je te rappelle. Et ouais. Bon, mais il a voulu il a voulu s'amuser, je pense, hein, soit tout juste ça. C'est juste ça. C'est pas non plus idiot, hein. Mais comment il a eu le symbiote? C'est ça que je me pose comme question. Comment il a eu le symbiote? C'est ça qui pose... Quoi? Non mais c'est chiant les murs invisibles, au bout d'un moment, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire, non? De me promener? Allez me balader, quoi! Vous êtes chiant, le jeu! Ah mais y'a le truc, là! C'est ça, là? Faut que j'aille là? Ok.
Quoi ça? Oh, pas mal. Firebot, ok. Je mets les infos sur le speeder server. Ça marche. J'essaierai de voir si je me présente. Envoyez-moi les données que vous récupérez. J'essaierai de remonter à la source. D'accord, donc c'est... Ouais, mais c'est un collectif, ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Putain, franchement, on s'en fout de ça. I just don't give a fuck, sérieux. On a passé la nuit à faire des tests sur la tenue d'Harry. Et on a peut-être abusé sur la pizza. Ouais, vous avez, ils ont foutu le bordel. Surtout, dis-le que t'as foutu le bordel. Enfin, c'est pas forcément Pizza qui a foutu le bordel, c'est Harry qui a foutu ce bob. Je te jure, j'avais jamais rien vu de pareil. Il s'agit d'un genre de combinaison qui éradique complètement les traces de sa maladie. Le docteur Connor s'est vraiment surpassé cette fois. C'est incroyable. Et le timing est parfait. Vu ce qui s'est passé au parc. Une idée de là où ils ont pu emmener Tombstone? Pas encore. Ah, il y en a un là. Mais si j'apprends quoi que ce soit, je t'appelle. Alors ça c'est pour une tenue si je me trompe pas, non? Ouais, je sais. Ok, et maintenant? On a toujours pas de... Y'a pas moyen que je puisse... Ah, là. Bon. Oui mais bon, ok, bon. Bon, il veut pas. C'est pas grave, on s'en fout. Ouais, mais de toute façon, les Spider-Bot, on s'en fout. Enfin, c'est certainement pour récupérer un costume, non? Bon, après, puis j'avoue une chose. Je ne fais jamais mes jeux à 100%. Je sais. Je suis quelqu'un qui ne fait jamais ses jeux à 100%, donc bon, voilà. Bah écoutez, on va essayer de faire un peu de... Ouais, on va aller se promener. Il y a un truc là-bas. Ça peut être intéressant. Affronter l'homme sable. Idée du Danny Cast, aujourd'hui nous allons parler de Coney Island. Tout d'abord, si, là. Nouvelle, malgré le nombre de blessés, il semblerait qu'aucun décès ne soit à déplorer. C'est là. Voilà, bon, mais voilà, coucou les copains. Bah, c'est vrai, comment il fait ça, Finn Farcode, créer plein de boules comme ça là? C'est quand même chaud quoi. Enfin, moi je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'on aura une origin story sur ce parcours? Ça serait pas mal ça. Bon, déjà quand on récupère les cristals, on en apprend un petit peu plus. Joli cristal. Mais c'est des sortes... C'est des géolithes, non? On voit les technos de Kraven, je comprends pourquoi il a pris peur. C'est ça, ça s'appelle comme ça, ce genre de truc qu'il faut péter avec des machins là. Ouais, c'est les géolithes, on est d'accord. Hein. Ah, quelque chose là-bas. C'est des géolithes, hein, on est d'accord. Hein. Ah, il y a un Spider-Bot là. Il est où? J'entends un bruit, mais... Ah, c'est là. Voilà. Hey, mais non, on va aller voir les méchants. Je peux pas laisser des robots tueurs en liberté. Les animaux doivent tous être tenus en laisse. Surtout ceux-là. Ah, donc ça, c'est fait. En vrai, par contre, il y a vraiment une grosse... comment dire ça? Diversité dans les ennemis, c'est pas mal ça. Alors, qui a joué à Spider-Man 3 sur à l'époque sur alors PS3 et si je ne sais pas Xbox 360. Moi j'y ai joué à l'époque sur Xbox 360. Ta saloperie. Voilà. Ouais, donc qui y a joué? Alors, autant le Spider-Man sur Spider-Man 2 sur PS2 était incroyable. Était incroyable. Et c'est vrai
J'ai quelque chose pour vous. C'est vrai que le Spider-Man 3 était pas... Enfin, j'ai pas eu forcément, moi, de mauvais souvenirs du jeu, mais il était pas si exceptionnel que ça, hein, finalement. Bon, tout entre guillemets comme le film. Même si moi, Spider-Man 3, je l'ai bien apprécié, personnellement. Je l'ai trouvé bien, sympatoche. Je l'ai pas trouvé si naze que ça, en fait. Après, bien sûr, mais ils l'ont réitéré avec The Amazing Spider-Man 2, c'est-à-dire, à un moment donné, ils ont trop mis de méchants et ils ont pas été assez développés. Mais je l'ai pas trouvé si naze que ça. Mais on sent que... En vrai, je pense qu'à mon avis, Sam Raimi voulait se concentrer que sur l'homme sable. Il voulait pas rajouter Venom et c'est là que t'avais et Sony lui ont demandé non mais faut que vous mettiez Venom, faut que vous alliez en fait entre guillemets mettez du fanservice quoi. Et ça c'est dommage parce que je pense que Spider-Man 3 aurait pu être un très bon Spider-Man. À savoir aussi qu'un Spider-Man 4 était prévu. Spider-Man 4 était prévu. Allez, hop, toi tu crèves. Je me demandais si on pouvait un peu corser les choses. Ouais, faut que je me soigne. Ça aussi. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Toi, quoi ? J'ai envie de dire une chose. En vrai, qui c'est qui a popularisé un peu les films de super-héros ? C'est quand même Sam Raimi. Hein. C'est quand même Sam Raimi. Enfin, qui a fait en sorte que c'est cool. C'est quand même Sam Raimi. Hein. Avec Spider-Man. Parce que Spider-Man, c'était une révolution à l'époque. Hein. C'était une révolution Spider-Man, le premier Spider-Man, il est sorti je crois en 2001 si je ne me trompe pas, c'était une révolution, et même dans sa façon d'avoir été filmé, c'était énorme, je veux dire, t'y croyais quand tu voyais le balancement, et là on essaie tous de le faire sur Marvel Spider-Man que ça a été autant sur Marvel Spider-Man 1, mais sur Marvel Spider-Man 2, on a tous essayé de faire, tu vois, quand tu fais ça, c'est le balancement de Sam Raimi, quoi. Tu sautes, tu plonges, tu vois, tu t'accroches, tu sautes et tu plonges. C'est très clairement le balancement des films de Spider-Man de Sam Raimi, quoi. Et ça a tellement ajouté de trucs, c'est hallucinant, quoi. Moi, je sais que j'étais vraiment fan des films de Sam Raimi, quoi. Je les ai trouvés tous excellents, quoi. Même le 3 qui était pas... C'était que ça. Pour une fonderie abandonnée, il y a beaucoup d'animation. Ils en mettent du temps, non ? Mesure de précaution. Tombstone est du genre récalcitrant. Ouais, on se tient prêt. Chasser pour vivre ? Vivre pour chasser. Ok, d'accord, donc il va falloir qu'on se... Dégager les toits et trouver un moyen d'entrer. C'est un vesté de chasseur. Ils sont là pour moi, je suis flatté. C'est bon, j'ai fini avec mon père. Par contre, on sait toujours pas où est le docteur Connors. Ça faisait longtemps que mon père avait pas autant. On va trouver Connors. Et si t'appelais MJ pour lui demander de passer chez lui. Ouais. Mais on dégage. Je te rejoins à la fondation dès que j'ai fini ici. Tu fais quoi là? Tu veux un coup de main? Je suis à l'ancienne fonderie Steel, à Williamsburg. C'est là qu'ils retiennent Tombstone apparemment. Ça ressemble à une mission pour les Spider-Bot. Spider-Pot. Ah putain, okay. Il me tire ce connard. Je sais pas, les Spider-Man, Spider-Man. Faut que je m'éloigne un petit peu. Je dois te laisser. Ça grouille de chasseurs dans les parages. Donc tu as besoin d'aide? Non, tu viens pas ici. Ce sont de vrais tueurs. Et je veux pas qu'ils te fassent du mal. A plus. Alors, avant de me faire interrompre, aussi il y avait. Alors, il y avait le reboot de Spider-Man. Fait par Sony avec Andrew Garfield. Pareil, le premier. Mais, en fait, en vrai de vrai, t'as quand même la sensation que, sur ce film-là, d'un remaster, quand même. Tu dis vraiment... Et, en vrai, moi, j'avais la sensation qu'ils ont voulu refaire ce qu'a fait
ce qu'a fait comment il s'appelle ce qu'a fait comment il s'appelle merde. Ah ouais, mais là ça va être chaud là, non, si je fais ça. Voilà, faut peut-être descendre là et aller et là. Voilà, ça c'est fait. Il doit y en avoir d'autres qui restent. Coucou. Et bah ouais, moi j'ai eu alors la sensation. En fait, entre guillemets, sur ce Spider-Man, j'ai eu la. J'ai eu la sensation que. Ouais, ils ont voulu refaire à peu près ce qu'a fait Sam Raimi sur The Amazing Spider-Man. Ils ont voulu refaire à peu près la même chose, mais en ayant un Spidey un peu plus comment vous expliquer ça, un peu plus Jones en fait. Enfin, c'est pas un peu plus Jones. Comment je pourrais expliquer ça? Il y a rien à faire là, non? Il est où le con? Il me dit qu'il est par là. Je vois personne. Hein. Pas plus jeune. Enfin, c'est pas évident à expliquer en fait. C'est ouais, Peter Parker un peu plus drôle, un peu plus comique, tu vois. Et bah moi le premier, je sais que je l'avais été le voir avec des potes. Le premier The Amazing Spider-Man, moi j'ai bien aimé. Ça va pas être ça. Il doit bien être quelque part le mec, je vois pas là. Non, je pense pas que ça soit de la défaut. Je pense pas qu'il faut aller à l'intérieur. Ouais, il sécurisait le toit, donc il doit être certainement par le toit. Non. J'espère que le jeu c'est pas softlock. Ah, lol. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Bon, voilà. Voilà ce qu'il fallait faire. C'est cette cheminée, ma porte d'entrée. Et en vrai, alors, la cheminée est où? Faut utiliser un feu de cheminette. Ouais, je l'ai trouvé pas mal. Et pareil, le 2... Mais je l'ai pas trouvé si naze que ça, contrairement à ce que disaient certains. Je l'ai pas trouvé si naze que ça, personnellement. Mais ils ont fait le même, ils ont eu le même problème, c'est qu'ils ont rajouté. Il y avait Rhino. Si je me trompe pas, il y a Rhino. Il y a. Je voulais vérifier. Je suis un peu qui c'est qu'il y a. Non. Ah oui, il y a Electro. Tu fais quoi là? Il y a Electro. Ça c'est sûr et certain. Et. Ouais, mais tu vois, bon, Electro, j'avais pas trouvé si naze que ça, au contraire. Hein. Quoi, matériel 2. Ah bah écoute. Ouais, il faut faire le truc de toile là, c'est ça? C'est ça, non? Je sais plus comment on fait ça. Ah, c'est ça. Voilà, putain, je me suis trompé. Mais c'est pas... ouais, moi, je l'ai pas trouvé si naze que ça. Et puis après, en vrai... J'ai intérêt à rester discret. C'était pas si mal que ça. Enfin, moi, je l'ai bien aimé. Alors, par contre, maintenant... À ma dernière chasse avec Kraven, on a pisté notre proie pendant 2 semaines. Observant donc, à mon avis, elle, par contre, je peux pas les attaquer. C'est long pour une traque. Peut-être. Mais elle a pas eu le temps de voir Kraven surgir. Le temps qu'elle réalise ce qui lui arrivait. Tu peux pas me dire que j'ai juste que tant de trucs pour le faire, ça, non? Terrible. Kraven l'a regardé agoniser. Et il a inspiré son dernier souffle. Bon, je m'en fous. Je te tiens. Tiens, attends. Allez, hop.
le finish move. J'ai pas trouvé ça si naze que ça, le Amazing Spider-Man 2. Après, comme je dis, ils ont fait la même erreur que Spider-Man 3, en fait. C'est-à-dire, c'était trop méchant. Parce que Spider-Man 3, c'est pareil, il y avait quand même... Bah pour Spider-Man, si tu veux bien, tu veux faire un bon film, faut mettre qu'un seul méchant. Quoique, No Way Home, il y avait plusieurs méchants et ça l'a pas empêché d'être si bien que ça. Pas d'être bien. Mais si certains trouvent qu'il est pas si ouf. Mais moi, je l'ai trouvé pas si mal que ça, No Way Home. Donc maintenant... Je crois qu'il y en a pas d'autres. Maintenant... Oula. Oula, lui, il rigole pas. Jamais la vie. Harry, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je te sauve la mise, Spider-Man. Et de rien, en fait. J'avais l'intention de rester discret. Quoi, c'est ma faute? Tu prends la gauche et moi la droite. Allez, ok, bah maintenant on a Harry qui est notre pote. Hein. Tu m'as dit que ça allait, mais... Sérieux, regarde-le. Franchement, j'aurais préféré que tu te fasses la main sur un truc moins compliqué. Allez hop, bim bam boum. Non mais, ouais, lol. Évitez cette toile. Je suis jamais sorti aussi fort. Ouais, t'emballe pas trop quand même. On n'est pas invincible. Tac. Bon. Et j'ai compris. Boum. Ah, c'est-à-dire en fait qu'on a trois potes. En fait, il y a Harry alors qui enfin, devenu Spider-Man. Oui et non, mais enfin, un truc, mais non, c'est pas le nouveau Spider-Man, c'est vous avez compris, hein, c'est le symbiote. Hein. Mais alors, quand est-ce qu'il va péter un câble? Hop, je me suis loupé. Il est où l'autre? Oh, c'est bon, il est plus là. Ok, Harry, c'est cool. Parce qu'on est d'accord, c'est un symbiote qu'il a. On est d'accord, c'est un symbiote. Quoi? Oui, mais c'est bon. On peut pas sortir. Ah. Oui, il est là. Voilà, c'est bon, on a réussi. Ouais, bon, ils vont prendre plein la gueule. Alors, je crois que je... Vous pouvez me le dire dans les commentaires, hein. Tac, ok, d'accord. Mais, alors, je suis en train de me poser la question. J'avais expliqué un peu les origines story de Venom. Donc là, très clairement... Enfin, Harry a le symbiote. Ok, d'accord, faut passer, voilà. Ah mais... Non, faut faire ça alors. Il y a une cuve de lave, quoi. On avait fait un peu de cave. Ah non, pas. C'était l'éclate. Allez, on a un super vilain à sauver. Mais il a le. Repenti. C'est quand même quelqu'un qui a voulu te tuer plusieurs fois. Il essaie de changer. Et moi, je veux l'aider. Waouh, t'as vraiment foiré l'humanité, toi. Ah, ça va être marrant ces phases, à mon avis. Ça va être drôle ces phases. Alors, on va. Allez, faut pas les laisser attaquer en premier. Allez, ok. D'accord, mais quand tu veux, hein, y a pas de soucis, y'a rien. Mais je préfère la ruse à la force brute. Qu'est-ce qui te dérange? On
cher. Ouais, jusqu'à ce que ça foire. Message reçu. Je te décevrai pas. D'accord. Je viens d'encaisser la chaleur. Ouais, t'as raison. Je suis même pas en train de forcer. Par contre, son costume, il est particulier, c'est pas... Mais d'accord, il est avec le symbiote, là. Il est classe, son costume. Parce que non, le symbiote, il est pas comme ça, enfin, en termes de costume. Alors, ah, peut-être parce qu'il n'y a pas encore le truc de Spider-Man. C'est peut-être ça. Regarde, prenez ça dans la gueule. Je sais pas, c'est bizarre. J'espère que le jeu va nous l'expliquer, ça. Allez, prenez ça dans la gueule. Quoi, je dirais jamais assez, mais les éclairages sont magnifiques. Il n'y a pas de trop de liaising. Donc, prenez la gueule. Le truc, je crois. Tu pourrais donner des cours. Tu pourrais donner des cours. Ah putain. Ouais, donc il faut battre la créature, quoi. Non, c'est bon. Du moment que j'arrive à l'enchaîner. Oula, lui il rigole pas. Ils sont dans la merde là. Peut-être que si on bouge pas, il nous verra pas. Oh, la référence à Jurassic Park. J'aurais mieux fait de me taire. Costume là, je sais pas, le bruit de l'alarme m'a cassé la tête. Heureusement que t'as rien. Des flèches, des machettes, des roquettes, et maintenant des robots. Hop là. N'oublie pas les robots chiens. Qu'est-ce qu'il va essayer de nous tuer encore? Ah, c'est bien le symbiote qui est là, parce que le symbiote supporte pas le bruit. Tac, c'est la gueule toi. Toi, prends ça dans la gueule. Ouais. Normalement, l'autre, il aurait dû être mort avec le coup de la roquette. Normalement, il aurait dû être mort. Bon, après, les combats sont toujours aussi plaisants. Hein. Mais ça c'est bien, au niveau des combats qu'ils aient pas changé, ça c'est bien, parce que... Ou alors qu'ils ont fait de l'amélioration, parce que le combat dans le premier était vraiment excellent. Même dans Miles Morales, il était très très bon. Tu fais de gros progrès ? Ça devient un peu intense. Il est enfermé où ton gars ? C'est vraiment bien, quoi. Attention les autres. Ils sont là-bas. Non mais si vous m'envoyez plus de la merde. Ah bah. Toi t'es mort. Et là, toi, t'es mort aussi. Oh, il est pas encore mort.
Ça c'est bon. Et il faut aller par là après. Je sais pas si je suis vraiment à ma place. T'es sûr qu'on peut y arriver? Bien sûr. On est les Spider potes. Grave. On l'a trouvé. Tu proposes quoi? On devrait aller le sauver. Je vais m'adorer le sauver. Je vais faire diversion. Toi, essaie de le libérer. Ça marche. Il grandit si vite. Je vais vous sortir de là, ok? Non, c'est impossible. Ils ont piégé ce machin. Je m'en occupe. Oh non. Je te l'avais dit, mais tu t'en fous. Désolé, c'est mon premier jour. J'ai besoin d'aide par ici. Je reviens. Mais un gros là. Ah le gros à mon avis ouais faut le voilà le gros ouais le gros à mon avis faut l'assommer. Allez hop toi c'est bon je l'ai englué. D'accord fallait là-haut. Si on arrive à surcharger la machine avec un liquide elle devrait s'éteindre. En vrai, mon avis sur le jeu, après, oh, je sais pas, mais j'ai dehors dessus. Mon avis sur le jeu, c'est qu'il est excellent. Ah, faut aller là-bas. D'accord. Ouais, ça devrait. Vous cherchez à tuer tout le monde ou quoi? C'était pas prévu, désolé. Il s'arrête jamais. Ça tombe bien, nous non plus. L'humour, l'humour marche, marche énormément. La tenue résiste au feu. T'en as de la chance. J'ouvre la fenêtre. On n'a pas le temps pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'humour est énorme. Mais en même temps, Donald Renew. Bah, pourquoi ah merde. Merci. Pourquoi comment il s'appelle il faut que je me soigne moi. Pourquoi franchement The Amazing Spider-Man a bien marché. Bah c'est vraiment la voix de Donald Renew. Enfin en VF hein, je parle hein. Et en vrai mais Donald Renew fait un très bon. En vrai il aurait pu jouer Spider-Man hein. Ah, mais je suis en train de crever là. On a fort tapé dessus, on va leur taper dessus. Hein. Oh putain, je suis mort. Oh, fait chier. Non, la voix de Donald Renew marche très bien en fait, c'est ça le truc. Je trouve pour le côté comique et drôle de Peter Parker, ça marche très bien. Et ça, c'est bien ça. On n'a pas le temps pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'appelais plus vite. Ah, je sais faire. On doit libérer Tombstone. Il faut fragiliser la cage. Par là. Retire les supports. Tu vas me traiter de fou. Ouais mais là ça va être chaud hein. Alors juste une chose. Tu vas la fermer ou je te casse la gueule? Tu vas la fermer? Excusez-moi. On est de retour. Alors si les autres ils bloquent mon machin, ça sert à rien. Ouais, attends. Oh putain, fais chier, je suis mort. Oh là là. Pas le temps pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'appelais plus vite. Hop là, ça c'est fait.
On doit libérer Tombstone. Ils sont fragilisés. On va aller vers là-bas. Par là. Retire les supports. Tu vas me traiter de fou. Mais c'est une des plus belles journées de ma vie. Bah tu devrais sortir plus souvent. Ah oh, putain. Ah putain, mais il enchaîne. Allez hop, il va crever celui-là, tu vois. Alors. Ah, ici, non, ici, ici, là. Pourquoi je peux pas l'activer? Oh! Ça, c'est fait. Ouais, donc on est les autres là-bas. C'était en quoi ce machin? Je sais pas, mais le bâtiment est en train de s'effondrer! Essaie encore! Ça marche pas! Accroche-toi! Il faut qu'on vire les supports! Wow, putain, mais il y a trop de monde. Si je vais mouiller. Ah, c'est bon, j'ai pu me soigner. On est sur le coup. Voilà, bon, c'est bon, j'ai réussi à les avoir. Non, putain, c'est... Le combat est chaud, hein. Ça prend ça dans la gueule. D'accord, j'ai oublié que j'avais ça. C'est sûr que j'ai jamais fait en fait. Bon, on va quand même se soigner. Saloperie. Voilà, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir le sauver, non? Notre tombe machin. Impossible d'ouvrir la cage. Peut-être en passant par le fourneau. Non, il fait trop chaud là-dedans. Quoi, t'as une meilleure idée? C'est dur de choisir, hein. Qu'est-ce que tu fais? Allez, allez. Toujours aussi stressant. Ah putain, c'est énorme. En termes de mise en scène, c'est vraiment juste énorme. Non, 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 non. On l'a perdu. Panique pas. Dans la vite. Ah, c'est énorme. En termes de mise en scène, c'est encore mieux que le premier. Ah, c'est encore mieux que le premier. On a été suivi. Ça marche. Ouais, c'est ça le problème quand on décide de se ranger. J'ai perdu l'habitude de ces conneries, moi. C'était moins une. Les autres ont pas tous eu la même chance. On se débarrasse pas de moi comme ça. Et puis, ils attendaient leur chef pour passer à l'action. Vous avez un endroit où aller? Ouais. Et s'ils me retrouvent, je serai prêt. Tu pourras remercier ton ami pour moi. J'espère qu'on se reverra. L'araignée. Ils sont partis. On devrait faire pareil. Ouais. Hé, hey, t'as assuré tout à l'heure. Ah ouais? J'étais sûr que j'avais tout fait de travers. Ouais, c'est le cas.
Mais c'est grâce à toi qu'on a réussi. Qu'est-ce que... Attends. Désolé. Je sais pas encore trop m'en servir. C'est sympa. Comment ça? C'est toi qui a... Oh. Ah, bah oui, tiens. C'est plutôt original. On est des vrais spider-potes comme ça. Je vais retourner au labo. Le docteur Connor s'est peut-être arrivé. Ouais, bonne idée. Je te rejoins plus tard. Incroyable. Alors oui, c'est incroyable, mais en même temps, j'ai envie de dire, ouais, mais est-ce que ça va pas, J'espère que c'est pas encore juste pour un mille-pattes. C'est, voilà quoi, c'est quand même chaud, hein. Faut que je passe le point avec Pete. C'est quand même chaud. Alors, quoi de neuf? Eh ben écoutez, on va se laisser là. Tenue, j'ai eu de nouvelles tenues avec, on est pas mal. Et je peux prendre celle-là. Ah, celle-là est jolie par contre. Celle-là m'intéresse. Peter, j'ai qui? Il est pas mal ça. Mais putain, mais il me tarde d'avoir la Sam Raimi suite. Il me tarde d'avoir la Sam Raimi suite, moi. Composant, si on prenait... Déplacement. C'est compétence. Alors compétence, ouais, il faut qu'on améliore. Ah putain. Faut qu'on améliore maïs. Je sais, oh il a pas de charisme, mais faut qu'on l'améliore. Waouh, joli. Ah bah attends, je te résume vite fait. Tu sais, mon copain arrive. Il a un genre de super tenue. Ça rigolait pas en fait. Ça fait joli, dis donc, j'aime bien ce costume là. Attends. Ça veut dire qu'il est des nôtres en quelque sorte. Ça arrive un peu vite, mais. On en parlera plus tard. Faut que je t'aime. C'est qui est des nôtres. À plus tard. Façon de parler, j'ai envie de dire. Ok. Façon de parler, hein. Il a bien essayé de te bouffer, hein. Il a bien essayé, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, c'est chelou, cette histoire. C'est chelou. Mais à mon avis, ça va partir en Yuku. Ça va partir en Yuku. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser. On va se mettre par là, ici. Voilà. On va se laisser ici pour cet épisode 8 de Spider-Man 2. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. C'était Kitaro. Et je vous dis ciao, bye bye tout le monde.